Salut à toutes et à tous, c'est Gaius et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 17ème épisode de Pokémon Saphir Alpha. Alors si vous avez vu l'épisode bonus précédent, j'ai capturé donc Latios sur l'île du sud. Donc je voulais un petit peu voilà, refaire le point. Latios ici, voilà. Et Latias ici. Alors je me suis dit, peut-être comme on a obtenu Latias avant, il va peut-être y avoir un événement où on peut monter dessus, j'en sais rien. Donc dans le cas où ça peut arriver, je vais le prendre et je vais l'échanger avec Ludifoli. Voilà. Vous pouvez également voir mes boîtes, j'ai capturé un Tilton avec, il me semble qu'il avait 2 IV à 31, je suis plus sûr, hein. Il avait donc une capacité qui est hâte et il était niveau 30, alors que d'habitude il était pas bon niveau. Et voilà, et ensuite tous mes autres Pokémon que j'ai. D'ailleurs c'est vrai que j'ai l'œuf, faudrait que je le fasse éclore un jour ou l'autre. Mais bon, en tout cas, pour l'instant on va rester comme ça et on va continuer cette aventure. Aussi, petite précision, j'ai changé le fond des Pokémon, ça me turlupinait ces petits Pokémon dans la Pokéball, là, je sais pas pourquoi, mais ça me plaisait pas du tout. Et bon, j'ai gardé ça pendant pas mal d'épisodes, hein, vous avez vu, jusqu'au 15e, on va dire. Et je me suis dit, je vais changer, je vais faire pareil qu'en dual, en duo, donc vous avez vu la petite barre avec les petits Pokémon, sauf que cette fois-ci, je vais agrandir la barre, et je vais la mettre en bas, quoi. Donc voilà, alors ben, j'ai appris Surf, donc la dernière fois, à Flobio, comme vous avez pu vous en apercevoir. Et voilà, donc nous étions arrivés ici. Alors je vais récupérer la pêche. La super canne, voilà. Et puis on va découvrir ensemble cette région, cette nouvelle partie de la carte. Que nous n'avions pas découverte avant. Écoutez, on va mettre Suki donc au combat. Eh oh, mais on s'est déjà croisé. Ok, je vais immortaliser notre combat avec ma caméra. Ouais, je l'appelais Suki, je répète, hein, mais c'était pour ma version Liquid Crystal. J'avais appelé Pokémon Suki. Suki, c'est simplement le pseudo d'une amie. Donc voilà, je trouvais que ça lui allait bien. Donc c'est pour ça que je l'ai re-appelé comme ça. Donc, je vais vous le montrer un peu au combat avec la méga gemme. Donc on va faire feinte sur Magneton. Et on va faire méga évoluer Latias. Et on va faire Vibra... Ah non, attendez, pas Vibra Soin. Je suis fou, quoi. 70-60, ok. Balle Brume sur Ramboum. Voilà, donc c'est parti pour la méga évolution. Méga Latios et Méga Latias ont la même méga évolution. D'après ce que j'ai vu, à moins qu'il y ait peut-être un signe sur le visage qui change. Waouh, presque du KO en un coup. Ah, par contre, lui, il le tient mieux. Voilà, donc ouais, c'est quasiment la même image. Oh, critique, punaise. Et c'est, on dirait, un avion, hein, c'est vrai. Il est plus rapide qu'un avion à réaction, c'est ce qui était marqué sur la description de Latios, je m'en souviens. Écoutez, bah, on va être tenté de faire feinte sur Ramboum si j'arrive à l'attaquer. Balboum, ça va rien lui faire, mais bon, écoute, on va voir, on sait jamais. Ah, super. Ah, l'attaque spéciale, bon. Zut. Miroitir. Ah, ça va, il tient bien. Moi, je le prendrai pas dans mon équipe, hein. C'était juste pour vous le montrer, parce que, je vous dis, on sait jamais, s'il y a un événement, combien de fois ça m'est arrivé de... Enfin, pas combien de fois, mais ça m'est déjà arrivé de louper un événement parce que j'avais pas le bon Pokémon sur moi. Par exemple, je me souviens dans la version XY, on avait un low class. Eh ben, je l'ai pas gardé sur moi, et donc j'ai pas pu voir qu'en surfant, on avait l'image de low class qui était sur l'eau, quoi. C'était la nouveauté. Et donc, comme je l'ai pas pris, ben, j'ai pas pu voir. Donc les gens me disaient, hey, mais il fallait garder low class et tout, j'aurais vu. Et voilà, ben, ça arrive des fois que je rate des événements. Niveau 31. Déjà. Enfin, déjà, parce que je l'ai déjà un petit peu entraîné avec des combats. Voilà, alors vous souvenez-vous de cette réplique Resplendissa? Ouais, on n'a pas oublié, excepterez-vous. Ouais, pas de soucis. Ce qu'on passe par la tête après un combat. Après, par la tête. Qu'est-ce qui se passe après la tête? Il se passe de là. Ouais, je sais. Est-ce que ça va rentrer? Ouais, je pense que ça rentre. Enfin, j'espère, hein. On dirait un petit pendu.
Je suis encouragé. Enfin, je voulais mettre encouragement, mais bon, on va mettre encouragé. Ah oui. Non. Voilà. Encouragé. Oh, je ne l'aurais pas mieux dit. Je sens qu'on va faire un carton avec cette émission. Il est fort possible que cette interview soit diffusée sur le Navi Show. Pensez donc à y jeter un coup d'œil. Sur ce, à plus. Plus dans le bus. Donc voilà, on va pouvoir découvrir cette zone. Ah, j'ai trop hâte. Ah oui, j'ai plus de bases secrètes maintenant, de découvertes. Oh, regardez tous ces arbres là. C'est quoi ce truc? J'ai 11 drapeaux, je crois. 10 ou 11, je sais plus. Oh, je peux passer comme ça, génial. Donc, bah écoutez, je sais pas ce que ça fait. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Moi, je sais pas pour l'instant. Donc, on verra. 2 baies récoltées. Tac. Baies citrus. Alors oui, j'ai aussi appris, bah, j'ai vu dans les commentaires. Parce que j'avais parlé de Barpo lors de l'événement. Enfin, pas l'événement. Lors de l'épisode du village Jumekara. Et en fait, on m'a dit... Attendez. On m'a dit que... Ah, c'est un Kikléon, ok. Pourquoi pas. On le voit pas. Ah oui, parce qu'il se morfond avec le paysage, ok. Et ouais, donc visiblement, Barpo, on peut l'avoir beaucoup plus facilement. Et je suis un peu dégoûté. Est-ce qu'on me les soigne bientôt? Non, je crois pas, hein. Bon, tant pis. C'est pas grave. Bah force, allez. Ah ouais, je suis un peu dégoûté parce que moi j'aimais bien justement ce challenge et comme je l'avais jamais eu parce que justement en fait il fallait tomber sur la bonne case. Sauf que je savais pas quelle était la bonne case. Oh, il a tenu. Et comme je savais pas, en fait je devais sûrement pêcher sur une mauvaise case. Et même si je pêchais 40-50 fois, bah jamais j'aurais pu l'avoir. Parce que il y aurait eu 0% de chance que je tombe dessus quoi. Ah mince, je voulais le capturer. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Alors, donc on va mettre Lacrymo. Alors oui, non, Tilton d'abord. Donc Tilton, je vais vous montrer un petit peu ses attaques et sa nature. Il a une nature qui augmente l'attaque spéciale et baisse la défense spéciale. Voilà. Il a hâte, bélier, régénération, mimique. Hop, au niveau du concours, et voilà, et donc il est donc foufou de nature. Comme je l'ai trouvé au niveau... En fait, j'en ai attrapé pas mal et il y en avait qui étaient aussi niveau 28, 29. J'ai regardé les natures, j'ai regardé un peu tout ça. J'ai regardé les IV. Ce qui était le plus intéressant. C'est vraiment génial, je trouve. Oh, une horde! Première horde! J'avais jamais eu de horde avant. Et je sais pas pourquoi. Mais j'en ai jamais eu. Je sais pas s'il fallait attendre un moment pour avoir des hordes. Peut-être, hein, peut-être que ça se débloque à un moment. En tout cas, bah voilà. Non, bah non. Dynavolt, non. Surtout que il faut les tuer un par un quoi, j'ai pas surf. Enfin si, j'ai surf avec Fluvio. Avec Gobi. Donc on va aller à droite. Ah mince, je l'ai pas vu lui. Prenez votre envol mes Pokémon oiseaux. On va accélérer je pense. Voilà, c'est bon. Tac. Et les herbes ont été refaites. Bon, à la base, il y avait aussi des hautes herbes. Hein. Faut pas non plus se dire qu'elles ont été rajoutées. Mais... elles étaient pas aussi... Enfin, si, c'est vrai qu'on... On se voyait pas trop dedans. Mais là, ça a été fait à vraiment... comme si, vous savez, vous alliez dans un champ de maïs. Vous savez, les épis de maïs, quand c'est long... Ah, pas vu, c'est pas grave. Et ça me fait penser un peu à ça, la tête sort pas. Oh, la musique! D'ailleurs, c'est la musique... Bah oui, c'est la musique de début que vous avez quand vous découvrez le monde de Hoenn. Et cet endroit, il est... Oh, il pleut. Cet endroit, il est bizarre. Ah, ça y est, elle tourne normalement. Enfin, elle tourne normalement. Elle tourne comme il faut tourner, quoi. Et c'est aussi la musique de notre fin de vidéo.
Ah, Pyrux, c'est moi. Ah non, pas Pyrux. Non, Pyrux, non, il a changé. C'est que à moi. Ouais, moi j'ai mis cette musique-là, je trouvais bien. Ça a été réorchestré par Pokémon Reorchestrated. Reorchestrated ? Pokémon réorchestré en français. Attendez, ça n'était pas ça à la base. Oh, c'est nouveau ça. Ah oui, c'est nouveau. Hein. Oh là, toutes les baies. Bon, je vais pas les prendre, ça va mettre du temps. Visiblement, c'est un endroit où... Ah, peut-être que ça y était dans Emerald et pas dans Ruby Saphir. C'est probable. Je sais plus. Il me semble que ça me dit quelque chose, mais vite fait. Par contre, tu peux pas aller au milieu? Non, ok, c'est un enclos fermé. Enfin, c'est un enclos, quoi. Un enclos ouvert. Non, c'est un enclos. Elle doit peut-être me dire quelque chose. Voir des baies germer, et puis pousser, et puis grandir. Je trouve ça, mais alors, tellement mignon. Toi aussi, plante des baies. Ouais, non, c'est sympa. Bah tiens, je pense que ça serait l'endroit où je planterai mes baies pour la prochaine fois. Si on peut trouver une base secrète pas loin, ça serait génial. Oh putain. Ouf. Oh là là. Ah, c'est super bien fait. Ah bah regardez, une base secrète à droite. Ah bah on va y aller, on peut. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit. J'ai retrouvé la fille. Une fille exorciste qui était dans Pokémon XY. J'avais fait, vous savez, mon dernier épisode de Pokémon XY, si vous l'avez vu. Ouais, poupée Pikachu. J'avais trouvé donc une genre de truc un peu creepypasta et tout. Ouais, un peu creepy. Et je crois que c'est mon 12e. Hein. Ah non, 11. Ok, 11. Et donc je l'ai retrouvé et en fait il faut aller dans le désert, au nord du désert vous avez des... vous savez la boue là, vous montez uniquement avec votre vélo de course. Et ensuite vous montez par là et là vous arrivez, vous avez une fille en fait. Et je me suis dit oh, mince, ça doit être la fille creepy un peu. Et je me suis dit ah, est-ce que je lui parle et tout. Et en fait quand je lui ai parlé elle me fait comment t'as fait pour venir ici? Ah visiblement c'est pas la téléportation, je crois un truc du genre. Non je veux pas rentrer. Et puis après, donc je suis allé faire un combat à droite et elle avait disparu. Et j'ai fait ah mince, j'aurais voulu le montrer en vidéo. Bon, j'ai oublié. Enfin, j'ai pas pu quoi. Tu as déjà vu des Gracidés depuis très longtemps, c'est la coutume. Ok, donc lui, si vous lui montrez un Shaymin, normalement il vous donne la Gracidée. On m'appelle le maître des baies. Je distribue les baies que je fais pousser pour qu'un jour la nature reprenne tous ses droits à Owen. Bequalo. C'est cool. Ne fais pas ton timide, prends-en une deuxième. De Bégrena, n'oublie pas de passer chez le fleuriste Jolie Fleur près de Mérouville. Eux aussi sont des amoureux de la nature. Moi aussi je suis un amoureux de la nature. Pépé a vraiment la main verte, c'est le meilleur cultivateur du monde. Décidément, je l'ai bien choisi. Ça me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des expressions à la mode, et puis ça changeait. Oh, en y réfléchissant longtemps après, ça n'avait pas grand sens. Mais c'était comme ça qu'on disait. Tiens par exemple, il y avait cette phrase à propos d'un combat, c'était un truc comme « quelque chose match ». Ça te parle? Punaise, il faudrait que vous me disiez dans les commentaires, je les connais plus. Je sais qu'il y avait un truc avec Latios et Latias, mais je sais pas si c'est les mêmes que dans les jeux originaux. Quelque chose match. Allez, on va dire beau. J'en sais rien. Mais non, je pense pas. Hein. Soit beau, soit super, soit méga, soit... Bon, de toute façon, elle va me donner une baie, dans tous les cas. Mais si on lui dit une phrase intéressante, elle vous donne une baie plus rare, en fait. Parce que là, une baie cerise, bah écoutez, on peut en trouver... on trouve partout, quoi. Oh. Ouais, ça doit être un combat, je pense. Et là, normalement, il y avait ouais, les jumelles. Enfin, les jumelles ou les jumeaux. On va remettre les antennes. Waouh. C'est trop beau, hein. Ah, là, il y avait un objet avant, il me semble, en bas. Non, j'ai rêvé. Il me semblait qu'il y avait un petit passage avec un objet. Donc voilà, donc on va continuer. Ah, la poker est créée, c'est vrai que j'ai jamais fait. Je sais même pas si je l'ai. Si, je l'ai, ouais. Bon, allez, on coupe. A tout de suite. Enfin, on coupe, on accélère, quoi. Voilà. Alors bon là on continue. Pourquoi il se tourne pas lui?
Là-bas, il y avait un objet, il me semble. Je crois, si je suis pas rêvé. Linéon, il y a de beaux yeux bleus. De beaux yeux bleus. Par contre, attendez. Oh punaise, j'en étais sûr. Linéon, ils sont un peu vicieux et ils ne laissent pas partir. Ouais, évidemment, ils me laissent partir quand mon Pokémon est mort. Enfin, avec KO, quoi. Ouais, il y a un objet, il y a même une base secrète. Ouais, je trouve que c'est un peu loin de trucs AB. Je verrai. D'ailleurs, j'ai une petite idée parce que j'ai vu qu'on pouvait créer des teams. Et je crois que pour les créer des teams, en fait, il faut qu'on devienne amis, d'après ce que j'ai compris. Et donc, j'aimerais bien créer une team avec un peu Pyrux, Nutiteuf, tout ça. Pour que ça soit dans la bonne entente et puis que vous puissiez justement voir notre base secrète. Malheureusement, je sais pas comment ça fonctionne pour l'instant. Est-ce que c'est par Wi-Fi, est-ce que c'est par Street Pass, je sais pas. Donc bah on verra. On verra bien quand je me serai renseigné et puis on fera ça, je pense. Je verrai un petit peu avec qui on le fait, qui veut pas. Bon, voilà. Moi j'aime bien avec la team miel aussi. 119. Ok, donc lui il dit je peux pas passer avec mon vélo, je crois. Pff, si je traverse les hautes herbes, plus personne ne peut voir à quel point je suis classe en vélo. Ah non, c'est possible alors? Ah ouais! Avant c'était impossible. Vous ne pouviez pas aller en vélo et c'est pour ça qu'il disait pff, je peux pas aller plus loin parce que voilà, les hautes herbes m'empêchent de. Attendez, par contre, il y a un Pokémon dans le coin, punaise, je le vois pas. Oh, mais eux, ils vont m'embêter. Ah oui, il est là. Ok, j'allais dire. Tu fais pas de combat, toi. Oh, c'est Ortide. Ici, on peut capturer des... Oh, punaise! Bon, tant pis. C'est pas grave. On peut capturer des... Je vais me faire avoir par un dresseur, c'est obligé. Capturer des Tropius. Et normalement, vous aviez des dresseurs qui recopiaient ce que vous faisiez. Ben oui, regardez, ils sont là. Hop. Allez, je vais en bas. Attendez. Normalement, il me recopie. Ouais, il recopie plus ou moins. Regardez, quand je marche, il bouge, quoi. Ok, il faut tourner en rond. Et lui aussi, c'est pareil. Oh, attendez, c'est peut-être un Tropius. Oui, c'est un Tropius. Ok, donc il a pas de talent spécial ou quoi. Mais c'est un Tropius. Alors, je pense que je vais le capturer. Je ne pense pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que déjà, il m'intéresse pas trop. Même si peut-être qu'il est stylé pour certains. Moi, c'est pas un Pokémon qui me plaît particulièrement. Et comme j'ai Tilton qui peut apprendre vol, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à avoir un deuxième Pokémon vol comme celui-ci, en fait. C'est un Pokémon très défensif. Très lent et très défensif. Il fait penser, évidemment, au Muplodocus. Bon, avec des bananes. Mais c'est... Muplodocus. Je sais, c'est... Non, attendez. Comment il s'appelle? Diplodocus? Non, Diplodocus. Muplodocus, c'est le Pokémon. Je suis à la ramasse, quoi. Non, on va amener Suki. Et ouais, le dinosaure, quoi. Il mangeait des... Le dinosaure herbivore. Si mes souvenirs sont bons. Je crois pas qu'il... Non, il devait pas être carnivore. Contrairement au Tyrannosaurus Rex. Bah le brume, tu le tiens ou pas? Les Draco Souffle. Je pense que tu le tiens, Draco Souffle. Plus je le fais même pas méga évoluer. Ouais, tu le tiens. Bon, t'aurais été... Paralysé, ça aurait été un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Pokéball. On va le capturer à la Pokéball, voilà. Comme le... J'essaie de respecter le défi en fait. Capturer tous les Pokémon à la Pokéball. Non légendaire, hein, je précise, parce que c'est plus compliqué et puis j'ai pas trop envie d'attraper un Pokémon légendaire avec une Pokéball. Soit une Honor Ball, soit une Hyper Ball. Enfin, Hyper Ball c'est pour la facilité, Honor Ball c'est pour l'honneur. Donc voilà, Tropius. Tropius. Écoutez, je vais l'appeler à... suivant. Ouais. Je vais l'appeler le nom d'un YouTuber qui s'appelle Banano. Je suis pas forcément ses vidéos, mais comme il y a des bananes, bah, en fait j'ai pensé à Banano et après j'ai vu que j'ai pensé que c'était un youtubeur aussi. Voilà, je fais de la pub. Je fais de la pub gratuite parce que lui aussi fait une aventure sur Pokémon Saphir Alpha. Voilà Banano, tu es nommé. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les dresseurs?
Parce que sinon ça va être un peu court l'épisode, donc on va faire des combats. Je pense que je vous propose, c'est que je fasse tous les combats en accéléré. Le souci c'est que Titan il a des attaques pourries. Il n'a pas d'attaque vol. On va voir ce qu'on peut lui apprendre. Alors, start. Non, pas par numéro justement. Par nom. Je trouve ça plus intelligent. C'est plus facile à trouver. Donc, aile d'acier, ouais, il peut la prendre. Change éclair, non, personne. Non, écho, ça me dit rien. Façade, ça peut être pas mal. Ça a 70 de puissance. Parce que bon, bélier, peut-être 90 de puissance, mais il y a du recul, quoi, et ça me plaît pas trop. Je crois, hein. 90, voilà. Hop. Ah, mais façade, c'est physique. Ouais, c'est physique. Les natures contre le spécial. Après, je pense qu'il... En fait, il peut jouer physique ou spécial, j'ai regardé. On peut jouer un peu comme on veut. Ah, Griffon, ça peut être sympa. Du spec, parce que... Ah non, quoique, non, non, peut-être garder feinte pour l'instant. Voilà, après, toxique, tunnel, vengeance. 70. Bon, ouais, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer tous les combats. Je vais essayer de tous les faire. Et puis, je vous dis, bah, à tout de suite. Juste avant... Allez, on va essayer de le faire avec Titan. Attendez, je lui ai appris quoi? Ah oui, façade. Voilà, tout de suite. Ah non. Voilà, 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 voilà. Mystère. Ils sont tous niveau 12. Ils sont tous femelles, tous niveau 12, quoi. Énorme. Bon, allez, est-ce qu'on va y arriver? À moins que on ait que des hordes. Et non, non, pas dans les hautes herbes, non, c'est pas possible. Ah bah voilà, c'est bon. Bon allez, on est les clubs copie, on copie ce que tu fais.
Voilà, je pense tous les avoir fait, presque. Il en manque un, bon, c'est pas grave, je le ferai une prochaine fois. Je croyais qu'on pouvait s'envoler en attrapant toute une volée de Pokémon oiseaux et en s'accrochant à eux. Mais en fait, on vient de me dire qu'il existe une capacité appelée vol pour s'envoler avec un seul Pokémon. En même temps, je veux s'envoler, sans mauvais jeu de mots. S'envoler parce qu'il a pas de badge, le pauvre. Alors, je peux surfer, évidemment. Hein. Je peux. Ouais, bon, il y a des Pokémon dans l'eau. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, Kirlia. Oh, il y a beaucoup moins de Goélis que dans la version originale. Hein. La version originale, il y en avait plein. Je crois qu'il y en avait peut-être au moins une dizaine. Liz. Oh, ils sont mignons. Je suis sûr qu'il y en a une qui nous soigne. Enfin, j'espère, en tout cas. Enfin, j'aimerais bien. Oh là là. Ah bon, ça alors, tes Pokémon? Ah bah ça quand même, hein. Allez à la sieste. Yes. Avant, il ne soignait pas du tout. Il n'y avait qu'une fille. Justement, c'est celle de derrière, je crois. Ça gambade. J'ai entendu parler d'une grotte appelée la grotte origine. Les gens racontent que les esprits des Pokémon y reviennent à la vie. C'est possible une chose pareille? La grotte origine. On en saura plus bientôt. Pas pour l'instant, mais... Mais elle disait, je crois, la même chose dans la version originale. Ah, enfin, ils sont soignés. Ça fait plaisir. Ouais, voilà. Alors oui, donc j'ai appris Psycho à la Crimo et... Cette fois-ci, je garderai donc Kirlia jusqu'à la fin, jusqu'à que j'ai une pierre Ob en fait. Je ne vous demanderai pas d'échange. Je lui avais dit, je crois, que je ferai un échange avant, mais finalement j'ai changé d'avis. Et donc voilà, donc pour l'instant, je pense que je vais rester sur cet avis-là. Ça va être un peu plus dur, c'est comme ça, mais je pense que ça peut le faire. J'ai remarqué aussi une chose, qu'on avait beaucoup moins de Pokémon sauvages dans l'eau, et que je trouve que c'est trop bien, zut. Alors, on peut aller doucement, il faut aller comme ça. C'est juste que bon. Beaucoup, beaucoup moins. Si vous faites attention, vous voyez. Alors, c'est quoi? C'est un équipement, je pense. Ah oui, il y a une technique qui consiste à. Regardez, rester là. Mince! Mais punaise, mais. Pourquoi il est monté? Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder où va le Pokémon si vous voulez l'attraper. Ouais, il vous a vu, évidemment. Et ensuite, rester sur une case où il peut ressortir. Regardez, par exemple, là. Il est là-bas. Donc, on regarde. Il est à côté du pêcheur. Ensuite, il se met ici. Ok. Hop. Ensuite, il bouge. Il va en revenir. Voilà, il se met là. Bon, on va aller près du pêcheur. Normalement, il devrait revenir là. Non ? Enfin, je sais pas, c'est ce qu'il me disait, le pêcheur. Ah, il est là, regardez. Et là, normalement, il devrait retomber là. Ah non, en fait, il faut peut-être pas rester à côté. En fait, peut-être qu'il faut juste rester à côté et pas sur la base où il se met, sinon il vient pas. Bon, bref, de toute façon, Bikipan, j'en veux pas. Donc, Lacrimo, démarre-moi de... Non, je rigole, on va prendre la fuite. Ça sert à rien. Mais voilà, donc on a... Alors, peut-être plus du tout... Oh, t'es sérieux. Je supporte pas qu'on peut pas s'enfuir, je trouve ça vraiment... Je comprends pas pourquoi, il n'y a 6 niveaux de plus. Alors peut-être qu'on a plus de Pokémon dans l'eau, mais ça m'étonne quand même. Hein. Attendez, on va essayer d'en choper un. Ah oh, mince, bon tant pis. J'ai cru qu'on pouvait aller là. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, c'est prendre le vélo cross, j'ai oublié. Ah zut. Gloom. Non, attendez. Qu'est-ce que je fais? Je pense que là, on va pas tarder à s'arrêter, de toute façon. Bon, on n'a pas fait grand-chose, je suis d'accord. Hein. D'accord qu'on n'a pas fait grand-chose, mais de toute façon, on n'allait pas faire grand-chose dans cet épisode. Épisode un peu plus calme. Que le précédent. Ah, lui va m'embêter, vous allez voir. Vous allez voir que je vais pas pouvoir m'enfuir. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi certains Pokémon sont... Ne veulent pas, je sais pas. Ça peut être peut-être avec la stat vitesse. Peut-être qu'il est tellement plus rapide que nous. Ça c'est vraiment un truc que j'ai jamais... Je me suis jamais penché dessus. Mais je pense que ça joue sur la vitesse. Peut-être qu'un Pokémon qui est beaucoup plus rapide que vous, bah, vous empêchera de fuir. Peut vous empêcher de fuir, pas tout le temps. Ok, donc là il y a une base secrète. Je pense que le vélo, ça nous mène... Si on avait le vélo cross, vous voyez... Enfin, je peux quand même monter dessus, mais après, je peux plus, quoi. Voilà, hop, là, on peut pas. Mais Pyrux pourra le faire, donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir cette vidéo.
Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, moi je prendrai le vélo croche, je ferai une prochaine fois. Tu sais que tes Pokémon peuvent utiliser force cachée sur un buisson pour créer une base secrète? Ouais, je sais. Oh, ça a changé, ici on avait des Pokémon Ranger. Bah écoutez, je pense qu'on va les faire. Juste, attendez, je vais voir. Oh, attends, les petits bruits de pas, c'est vraiment énorme. Ah, il y a une base secrète là. Ah bah voilà, je pense que c'est avec le vélo. Il fait un combat lui, normalement. Tu utilises le mode recherche du Navidex. Si tu rencontres plusieurs fois d'affilée la même espèce de Pokémon, les capacités de détection s'amplifient. Avec un algorithme de détection au poil, tu augmentes ainsi tes chances de trouver des Pokémon rares. Par exemple, des Pokémon connaissent une capacité hors du commun ou avec un talent pas banal. Et on ne sait pas si c'est valable aussi pour les Pokémon Shiny, Pokémon Chromatique. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, peut-être qu'après ça sera su. Ça se dit, hein, ça sera su. Ça sera connu. On va faire ce combat double en non accéléré. Puis ensuite, je pense qu'on ira jusqu'au bout avant un événement que certains connaissent. Et puis, et zut. Et ensuite, on s'arrêtera là. Tac. Et je voulais aussi également un tilton femelle. Voilà, ce que je n'ai pas dit. Nous sommes un duo cerveau et muscles, et nous vous défions en duel. C'est merveilleux, vous êtes le premier dresseur qui accepte d'être notre adversaire depuis que nous faisons équipe. Les gens nous surnomment cerveau et muscles. Permettez-nous de nous mesurer à vous. Il y a des jours où j'arrive pas à parler. Voilà, bah c'est aujourd'hui. Manu et Milo. Oula, oui, d'accord, ça rigole pas. Mais ça tombe bien parce que j'ai justement les Pokémon qu'il faut. Ah non, j'ai pas attaque vol, zut. Ah, oh, si j'avais une attaque vol, ça aurait été nickel. Heureusement, j'en ai pas. Bon, allez, Psycho sur Machopper. Bah, lui, il tient pas, je pense pas. Et Façade sur Kadabra qui va prendre cher. Plus de la moitié, je pense. Ah non, protection. Bon, Machopper, à mon avis, il est KO. Mais Kadabra, sûr que non. Ah, il tient! Écoutez, on va faire ça. Coup psycho. Coup critique. Ça c'est bon. Et là le match chopper, bye bye. Ouais, je lui ai mis la pierre stase aussi, bah ça vous l'avez vu de toute façon. Au moins il évoluera pas. Tous les niveaux en garde-voir. Hop. Eh, hey, presque niveau 32 tilton, hein. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Wow, on peut voir le paysage, hein. Je vous le fais un petit peu contempler, cette cascade. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, je suis plus également, évidemment, époustouflé au début. Maintenant, ça m'impressionne un peu moins, on va dire. Mais au début, j'étais, mais alors... vraiment très très content de retrouver cette région. Cette région en 3D, quoi, ça me fait vraiment plaisir. Hop, c'est pas grave, le Pokémon. Je pense qu'il y a des objets à récupérer quelque part. Là. Ah là, oh oui, le ninja qui se cache derrière l'arbre, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Je vais pas le faire, mais je le ferai, je pense, en off. Mais c'est trop bien fait. Mais c'était comme ça dans les versions originales. Hein. Ah oui, je m'en souviens, cet ornithologue. Tac, bon, on va pas tarder à arriver où je veux. Le ciel si vaste tient une grande promesse. Rien n'est aussi intense que de voler. Ça va, t'en as qu'un. Takumi. Takumi l'ornithologue. Il a un beau éléden. Lacrimo, go. J'adore ce nom, Lacrimo. Ça met de bombes lacrymogènes, hein, je crois que je l'avais dit déjà. Mais je trouve que ça lui va bien parce que. Parce que ça va être un galam, tout simplement. Et quand ça va être un galam, ben vous voyez, une bombe lacrymogène, ben, ça fait mal quoi. Oui. Oui, ça aussi ça fait mal. Ah zut. Bon allez, on va anticiper. Qui c'est qui peut le tenir? Ouais, Gobi, je pense qu'il peut le tenir facile. Et ouais, voilà. Donc je pense que ça lui représente Galam.
Ah, il fait reflet. J'aurais pu attaquer. Bon, tant pis. Je peux pas savoir. Je peux pas prévoir. Hein. Ouais, c'est bon. Tac. À terre et hors combat. Nickel. Quand même aller jusqu'au bout. Voilà. Où je voulais en venir. On fait le guet même sur notre temps libre, pendant que nos admins vaquent à leurs occupations. Qui a laissé ce gamin s'approcher? Petit! Attention, ne t'approche pas du centre météo. Chut, je fais le guet. Hé, hey, toi, attention, c'est dangereux, éloigne-toi du centre météo. Ah, il nous dit de nous éloigner. Bah écoutez, bon, on va pas rentrer alors. Moi, je fais confiance à ces gens déguisés. Donc on va pas rentrer, on va s'arrêter là. Sauvegarder. Oh, pile poil 20h. Ah oui, 20h, il est chez moi 20h. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la partie commentaires, à regarder le nouvel indice qui apparaît à la fin de cet épisode, donc pour un nouveau mot, il me semble que c'est un nouvel indice. Hein. Non, c'est le deuxième, pardon, le deuxième mot après l'ancien. N'hésitez pas également à répondre à la question que je vous ai posée donc, dans cet épisode, je vais y arriver. Et on se dit donc demain 17h pour le nouvel épisode en solo avec moi. Allez, ciao ciao tout le monde.